Bien, salut à tous les amis. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter mon lot de nerfs que j'ai acheté. Donc je vous l'avais dit la deuxième semaine des vacances. Donc je tiens à m'excuser de ne pas avoir fait la vidéo la deuxième semaine des vacances parce que j'étais malade. Et maintenant, je vais faire une vidéo toutes les 2 semaines. Donc voilà. Donc c'est parti, je vais attraper le colis. Donc j'ai reçu comme ça, donc on va le mettre là. Donc je vais le déballer. Donc, je vais bien le protéger. Ça va mettre un peu partout. Donc je vais vous le dire tout de suite ce que je déballe. Donc ça c'est des nerfs que je sais pas qu'est-ce que. C'était dans le lot, bah je me suis dit ouais je l'achète pour les autres nerfs. Donc eux c'est des TR6, donc voilà, faut tirer là pour recharger. Donc, voilà, donc je les pose là. Donc après il y a ça aussi c'était dans le lot, je sais pas pourquoi c'est. On a deux comme ça, regardez, une là. Tac. Il y a ça aussi, je sais pas, on dirait un écouteur là. Donc voilà, je sais pas vraiment qu'est-ce que c'est. Donc, passe à l'objet suivant. Donc, c'est ça. C'est une sorte de boutique et tout. Donc maintenant, on passe. Oh, bon, là, si je vous montre ça, vous savez à peu près qu'est-ce que c'est. C'est la crosse du. Vous verrez après. Le paquet de balles, très important, voilà. Il y a à peu près 50 balles en tout. Bon, un peu moins, je les mets là parce que je vais les utiliser contre la porte après. Pour le nerf, voilà. Le rétaliateur, j'en ai déjà un dans mon décor, regardez. Il est ici. Il y a des pistolets que je vais avoir en double, mais c'est pas grave, je tenais à en avoir un bleu. J'en ai un blanc, j'en ai un bleu, c'est parfait. Avec la crosse, comme ça. Regardez, je vais vous le mettre à côté. Donc voilà. C'est exactement le même. Donc voilà. On tirera après avec un strong arm. Donc voilà. Bleu, j'en avais un blanc. Donc voilà. Un deuxième strong arm. Je vous ai dit, j'en ai un double dans le lot. Un blanc toujours. Fire Strike, bon ça j'en avais pas, donc voilà, je l'ai en double aussi, regardez, hop, et j'en ai en double, et on passe à ce que je préfère de mon lot, j'ai un chargeur, un autre chargeur, ça, je sais pas qu'est-ce que c'est, il y a écrit allumé ici, donc ça fait pas de lumière, voilà. Donc ça, je sais pas à quoi ça sert. On passe au plus. Ah non, toujours pas. Ça. Aucune idée. Je sais pas. On tape un verre après. Il y a du papier bulle. Hein. C'est pas mal. Il a bien protégé. Donc, le nerf que j'attendais, c'est surtout celui-là. Le chargeur banane, voilà. C'est le destructeur 2 en 1, je crois. Non, démolisseur 2 en 1, excusez-moi. Donc, il a ça. Le missile qui manque une aile, mais c'est pas grave. Tac. C'est à peu près. C'est un strife avec ça de plus et un chargeur banane. Et sa crosse que je vous parlais tout à l'heure. Moi j'ai les missiles, ça donne ça. Bon. Il bug, c'est pas grave. Hop. Hop, je charge. Et bien sûr, vu que c'était tout un double, on en a un deuxième. Donc voilà. Donc vraiment pas mal ce lot.
Donc il m'a pas vraiment coûté cher. Donc hop. Et après il y a ça. Et il y a un morceau de nerf. What the fuck. Ok, donc c'est tout ce bordel. Donc là on va commencer. Je vais lancer deux balles par nerf. Hein. Ça c'est les balles que j'ai eu avec. Donc voilà. Donc tac. On va commencer par le démolisseur 2 en 1. Donc oula. Donc je sais pas que je le revoutrai. J'ai tous les nerfs, je les revoutrai dans mon mur de nerfs. Je sais pas comment je vais faire, mais on va trouver. Voilà. Donc on va tirer ici. Le carton, on les pousse. Donc je vais tirer d'abord les flèches élite sur la porte. Maintenant le missile. Donc j'adore le démolisseur de Zander. On va passer au rétroviseur. Bon, on sait à quoi s'attendre. Je crois, je suis pas sûr, hein, mais les blancs, je crois que eux, nerf, je crois qu'ils ont modifié les blancs et qu'ils ont mis un peu plus de patates sur les blancs. Je sais pas, j'ai entendu parler de ça. Donc c'est déjà la galère pour mettre le chargeur. Donc on va charger. Donc je tire là. Donc les amis, donc c'est parce qu'en fait j'avais enrayé la balle et la balle bien sûr elle est retombée. Attendez. Tac. Parce que j'avais enrayé le nerf. Donc voilà. Donc un rétaliateur, hein, voilà. Donc maintenant on passe au. Bon, je pense que le deuxième. Le deuxième démolisseur 2 en 1, on ne peut pas l'utiliser. Bon, le strongram, mais là on passe. De balles. Ok. Donc le strongram, il faut que les balles soient assez neuves. Parce que sinon, elles partent pas bien. Attention. Donc là, elle est bien partie. Et elle aussi. Donc c'est parfait. Donc on va tirer avec cela. Donc je vais vous expliquer un truc. Là en fait il y a la gâchette et là il y a une lumière. On peut mettre des piles. Là on pourra jeter deux balles, voilà. Mais là il n'y a pas les piles, donc voilà. Donc on tire ici. Donc voilà, il fait un bruit bizarre. Donc je vais mettre une balle ici, une balle. Ah, merde. Une balle ici. C'est parti. Il a, je trouve qu'il a quand même une patate, ouais. Donc voilà, il fait pas beaucoup de bruit. Donc on a en plus de ça le chargeur de l'Hyperfire, ce qui est pas mal. Ça m'ajoute en tout, j'ai trois chargeurs comme ça. J'ai deux chargeurs banane, donc voilà. J'ai un autre chargeur de 18 et j'ai un autre chargeur de 12. Donc j'ai oublié, bon on va tirer avec cela même si c'est, je suis pas trop fan. Donc voilà. Donc c'est des flèches comme ça. Voilà. Oui. Donc c'est des flèches comme ça. Là, regardez. Bon la patate, hein. Fallait s'y attendre. C'est un truc de d'enfant. Ça doit aller même pas à 5 mètres. Donc voilà. Donc, pour terminer, ça, je ne sais pas à quoi ça sert. Donc voilà. Oups. Donc, aussi, je voulais vous parler. Donc, je fais des mini montages, mais des mini mini. Donc j'espère que vous aimez bien ces petits montages. Donc n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche des
on va l'en faire, les notifications. Et je vous dis à une prochaine vidéo qui sera dans 2 semaines du coup. Et au revoir.